son fauteuil roulant. Tu déconnes, Belette, ou quoi? De quoi je déconne? Attends, mais sur qui tu as tiré? Eh ben, sur Léo. Mais Léo n'était pas sur un fauteuil roulant, bordel. Ah, bien sûr que oui. Peut-être que tu n'as pas bien vu, mais je t'assure qu'il était sur un fauteuil roulant. Hein. Le mec que je t'ai montré, il était sur un fauteuil roulant? Oui. Celui qui était assis devant avec la veste bleue? Oui. Enfin, bleu, bleu-gris. Je t'ai dit bleu, pas gris. Je t'ai même dit bleu-pourpre. Oui, bleu-poulpe, oui. Poulpe? Oui, si, ben, le poulpe, là, qui était... Poulpe, comme ça, tu vois. Attends, mais je comprends pas. Il est mort ou il est pas mort, hein? Ah oui, il est mort, tu es fou, quoi. Attends, il y a même un bout de cervelle qui est tombé sur la table. Sans cervelle, tu peux pas vivre, hein. Tu y arrives bien, toi. Et mais alors, c'est qui est mort? On sait pas. Ben oui, le type du fauteuil roulant. Et qui c'est? Je sais pas. Putain, il est débile, ce mec. Hein. Qui? Toi! Hein? Bon, Fred, qu'est-ce qu'on fait, là? Je réfléchis. Où tu vas? Faire pipi. Non, tu restes là. Attends, Fred, j'ai trop envie, hein. Je m'en tape. Ça me dérange si tu pisses pendant que je réfléchis. Moi, ça me dérange pas si tu réfléchis pendant que je pisse. Hein. Tais-toi. Tu vois pas qu'elle réfléchit, non? Rentre chez nous. Tu fous, toi? Je repasse la cagoule. Parce que tu vois, après, avec les plis, ça fait pas beau. On va faire un kidnapping, pas un défilé. Bon, récapitule. Max, toi, tu restes dans la bagnole, au volant, moteur allumé, devant l'hôtel. Achille, toi et moi, on tient tout le monde en respect. Belette, c'est toi qui la maîtrises. On l'embarque, on file à la voiture au relais, et direct ici. Sauf toi, Max. Toi, tu continues, et tu vas brûler la première bagnole, et tu nous rejoins. C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez. On doit pas la faire ailleurs, y a pas un endroit mieux. Putain, Max, on a braqué je sais pas combien de banques ensemble, et là tu te chies dessus pour un spa. Je me chie pas dessus. Voilà, sauf que moi, l'espa, si tu veux, y a plein d'esthéticiennes, quoi. Et les esthéticiennes, elles ont des blouses, et moi, les blouses, ça me bloque, tu vois. Max, un rap, c'est plus facile qu'un braquage. Sauf que braquer, je sais faire. Rapter quelqu'un, j'ai jamais fait. Rapter? Oh putain, oh qui bombe, rapter. Oh. Putain, t'es allé jusqu'où, toi, à l'école? Jusqu'au portail? Moi, je suis peut-être pas allé à l'école, tu vois. Mais moi, j'ai pas tué un handicapé. C'est bon. Allez, on décolle. Ah! Attendez, attendez. On va faire un petit selfie. Ça fait un souvenir, comme ça. Il n'y a pas un traitement pour lui. C'est elle. Oui? Non? Tu es con ou quoi? C'est elle qui est con. Tu croyais qu'on était venu faire des UV ou quoi? Putain, c'est pas vrai ça. J'ai dit on fait propre. Alors c'est nickel, oh. Et ça, il ne m'aime pas. Juste une bosse. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Bouge-toi!
Son vicieux sac, elle doit étouffer là-dessous. Non, 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 elle veut le garder, elle a froid. Je vais la mettre dans sa chambre. Attends. D'abord, on va faire la photo. La photo? Eh oui, la photo, pour envoyer à son agent. Ah oui, la photo. Je fais, je fais, je fais. Ta cagoule. Ma cagoule. Voilà, les cartes. C'est bon. Tu es con ou quoi? Quoi? Tu veux bien qu'elle ait le sac? Eh oui. Eh ben, enlève-le. Eh non. Eh non, parce qu'après, si je l'enlève, elle a plus. Et puis, elle a tellement peur, elle est défigurée par la peur, le visage comme ça, en diagonale, on la reconnaît même pas. Ça sert à rien. Et avec le sac sur la tête, on va la reconnaître, couillon. Allez, c'est bon, hein. Allez. C'est quoi, cette merde? C'est Sophie Marceau, ça. Eh oui. Enfin, tu la reconnais pas. Regarde-la bien. Ouais, autant pour moi. Ah non, c'est pas elle. Oh putain, ça se voit en plus, hein. Attends, faut être con, hein. Putain, je comprends pas. En plus, c'était bien la cabine 6, hein. Tu as lu le registre à l'envers. Le 6, c'était un 9. Ouais, mais oh putain, mais tu vois, les gens, ils font des 6. Quand tu regardes à l'envers, c'est des 9. Enfin, putain, c'est le bordel, hein. Je crois que je vais t'ouvrir le crâne en deux. Comme ça, hein. Juste pour voir ce qu'il y a dedans. Oh, je suis sûr que je vais y trouver des hamsters, des taille-crayons. De la vinaigrette, tout sauf du cerveau. Y a pas. Non. Y a rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, on la libère. C'est quoi, Belette? Aujourd'hui, franchement, tu as fait une belle journée. Tu as tué un handicapé. Au lieu d'enlever Sophie Marceau, tu rentres à la maison avec la femme du commissaire de police. Franchement, tu vois, maintenant, tu peux vraiment te reposer. Tu peux être fier de toi. Et tu peux un peu la fermer aussi. OK? Parce que tu vas un peu vite. C'est pas ton visage qu'elle a vu, hein? Oui, mais même si elle a vu, tu vois, je suis sûr qu'elle dirait rien. Elle n'a pas le profil de la balance, ça se voit. Le mentaliste. Oh! C'est la femme du plus grand flic de France. Tu crois qu'elle va pas nous balancer? Il a raison, il y a un risque. Moi, je pense que le mieux, c'est qu'on lui crève les yeux. Oh putain, tu es fou, toi, oh. Et non, justement, ça nous évite de la tuer. Va faire un portrait robot si tu n'as pas les yeux. Pourquoi? On peut pas le faire en braille. Non, parce qu'attends, si on lui crève les yeux, après, elle va être aveugle. Il y a des chances. Et alors? Les aveugles, aujourd'hui, ils ont des cannes, ils avancent toutes seules. Au feu rouge, on leur dit quand il faut traverser. Les chiens, ils emmènent partout, ils leur font même des courses. Dans les ascenseurs, il y a même des boutons exprès pour pas qu'ils se trompent d'étage. Et ils se régalent, ils ont la belle vie. Être aveugle aujourd'hui, ça vaut le coup. Achille, tu t'imagines de lui crever les yeux? Ouais. Et comment tu ferais avec une aiguille? Avec un couteau, ça prend 10 minutes. Mais ça, ça doit faire mal, hein? Pas plus mal qu'une rage de dents, hein? Tu donnes un cachet et 10 minutes après, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu fais encore, toi? J'essaie de faire le Rubik's Cube, mais je galère, hein? Attends, mais il est tout noir, ton cube. Ah ouais, j'ai enlevé les autocollants, tu es fou. Avec les couleurs, je m'en sortais pas, hein. Enfin, Belette. Sans les couleurs, tu peux pas jouer. Et bien sûr que oui. Mais bon, il y a des millions de solutions. Qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis. S'il n'y a pas de couleurs, il n'y en a qu'une de solution. Ah oui, mais bon, faut la trouver, hein. Regarde, tu vois bien? C'est toujours pareil. Oh putain! Il a fait du premier coup, oh! Allez, va la chercher au lieu de dire des conneries, va. Oh! Oh!
Bouchez, l'eau. Enfin, tu vois pas que j'étais en train de me garer. Faut être plus rapide, Pépé. Pépé. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'à chaque fois que je le vois, je suis ému. Ah, tenez, je vous ai pris les culottes. Ah, merci. Il n'y avait pas un peu plus... Enfin, un peu moins... Moins que ça. Autant mettre un post-it. Et pour ma chatte, alors? Ah, alors je vous ai pris des serviettes hygiéniques avec ailettes. La vendeuse m'a dit que les ailettes, c'est pour bien accrocher à la culotte. Mais je parlais de la chatte de ma voisine. Ah non, mais attendez. Moi, je peux pas m'occuper des ragnagnas de tout le monde, hein. Vous les mettez pas? Pas tout de suite, non. Ça va aller, là. T'as pris de la moutarde? Ouais, un peu de la forte et un peu de la douce. La moutarde douce, c'est pas de la vraie moutarde. Ah, parce qu'il y a aussi de la vraie et de la fausse moutarde. Eh oui. C'est comme pour les cons. Il y a les faux et il y a les vrais. Et comment on fait pour savoir si c'est un vrai con ou un faux con? Les vrais. Ils posent la question. Comme ils sont cons, hein? 9. Hop, garde-les, c'est chez moi. Allez, hop, j'appelle l'archi, je convoque les maçons et je fais 7 maisons. Et tu as qu'à faire un lotissement aussi, non? Ben, c'est chez moi. Eh, mais tu peux pas construire sur les gares, hein? C'est quoi cet embrouille encore? Il a raison, vous pouvez construire que sur les terrains. Ah, ça y est, maintenant, c'est elle qui fait les règles. Non, c'est ça. Achille, c'est à toi. Tu joues ou tu restes en prison? Ah, je reste en prison. Ah. Vous préférez pas payer les 5 000 et sortir? Mais ça va. Je fais 6 ans de cabane en bray. Je peux faire 3 tours au Monopoly. 6 ans de prison? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, moi, rien. C'est le type qui a un problème. Il m'est passé devant quand je faisais la queue à la boulangerie. Je lui ai cassé les 2 jambes. Vous lui avez cassé les jambes pour ça? Ouais. Avec les 2 jambes cassées, vous ne pouvez plus passer devant personne. Ah, bah oui. Hein? En même temps, c'est beaucoup, non? 6 ans pour 2 jambes cassées. Oui, mais il a fait semblant de ne pas m'entendre quand je lui ai dit que j'étais là avant lui. J'ai crevé les 2 oreilles avec un stylo. Avec un stylo? Ouais. Ils ont dit que c'était un acte de barbarie. Rien que ta tête, c'est un acte de barbarie. Hop, hop, hop. C'est chez moi, rue de la Paix. Attends, je construis un hôtel. Non. Pourquoi? Et enfin, tu n'as pas construit rue de la Paix, oh. C'est chez, oh. Après, quand on va tomber dessus, on va se ruiner. Achille, c'est le but, ça. Ah ouais? Toi, ton but dans la vie, c'est ruiner les amis? Ah, belle mentalité, ah. Et tu sais quoi? Au jeu des merdes, moi, je joue plus, voilà. Ah ouais, Achille, oh. Non, c'est bon, je m'en vais, oh. Achille, tu t'en fous de son hôtel, hein? T'as qu'à le plastiquer. C'est comme les excès de vitesse, hein? Les excès de vitesse, tiens, 10 km/h en trop, là, paf! Allez, PV! 10 km/h en plus, ça change la distance de freinage. Ah ben ouais, hein, 10 km/h en plus, ça change la distance de freinage, hein? Ah, on n'a pas eu Sophie Marceau, hein? On a chopé Bison Futé. Mais non, mais c'est vrai! À 10 km/h en plus, si jamais il y a un piéton qui passe, vous n'avez plus le temps de vous arrêter, vous l'écrasez. Eh ben le piéton, il a qu'à regarder avant de traverser. Ah! C'est comme pour les radars, là. Ils t'enfilent de partout, les radars. Tu verras qu'un jour, ils vont t'enfiler aux chiottes. Tu chies un peu trop vite, paf, allez, 3 points.
Qu'est-ce que tu manges encore, toi? Des myrtilles. Elles sont belles cette année. Enfin, tu vois pas que c'est du raisin? Ah, j'aime pas le raisin, moi. Cassé. Non, ça va, c'est bon. C'est fou, quand on vous voit comme ça, on dirait un gnou sur le point de charger. Et en fait, vous pouvez être adorable. Je suis pas adorable. Un gnou. Joue, toi. Géographie. Quoi? Géographie. Ça existe, ça? Bah oui. Comment s'appellent les habitants de Hong Kong? Il faut tous les noms. Attends, tu t'en sors pas, il te faut 4 mois pour répondre là-haut. Ceux qui habitent en France, c'est les Français. Ceux qui habitent en Roumanie, c'est les Roumains. Ceux qui habitent en Italie, c'est les Italiens. Etc. 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 C'est pas un pays, hein. Ah. D'accord, j'y étais pas du tout. Les Hongkongolais. Ah non, les Hongkongais. Ça va, c'est pareil, yo. Oh, sérieux? Ah, d'accord. On va jouer à gna gna gna, alors. Ah, oh, purée, alors c'est ça, le jeu. Le jeu, c'est... On pose des questions, il faut donner les bonnes réponses. Ah, d'accord, alors, c'est ça, le jeu. Alors, OK, alors on joue. Ah. Hop, sport. Si je réponds, j'ai le fromage, là. Oh, oh purée, sérieux. Pour le fromage, il tombe sur le sport, Léo, sérieux. Aux Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992, quelle équipe masculine a obtenu la médaille de bronze de curling? Mais le curling, c'est pas du sport, ça! Alors? J'en sais rien, moi! Bah, dites une équipe au hasard, on sait jamais. Le Real de Madrid. Les États-Unis. Oh! Ah, mais c'est ça. Comment tu sais ça, toi? Parce que même les mecs qui ont fait le match, ils s'en souviennent pas, tu vois? Le curling, ça se joue avec des curlis. Ah ouais, en fait, ils s'arrêtent jamais. Bon, Poussin, ah, tu exagères. Hein. Tu sais, papa, il a pas le temps. Hein. Stop là, papounou. Juste une histoire et après, je dors. Promis. Bon. D'accord, allez, vite, alors. Allez, viens. Allez, mets-toi au lit. Allez, hop, hop. Allez. Voilà. Je peux plus bouger. C'est normal, non? Tu veux aller où? Il faut que tu dormes maintenant. Voilà. Bon, papa, il va te raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Alors, le petit chaperon rouge... Quel âge il a, le petit chaperon rouge? On s'en fout de ça, ma chérie. Commence pas. Hein? Il a 10 ans, voilà. Bon, donc, le petit chaperon rouge... Comment il s'appelle, le petit chaperon rouge? J'en sais rien, moi. Kevin, il s'appelle Kevin. Voilà. Donc, le petit chaperon rouge, il voulait aller voir sa grand-mère. Quel âge elle a, sa grand-mère? Elle est vieille. Le petit chaperon rouge, il devait aller voir sa grand-mère dans la forêt. Donc, au même moment, dans la forêt, il y avait le loup. Il avait faim et il cherchait à manger. Quel âge il a, le loup? Merde! Il a 10 ans, comme le chaperon rouge. Voilà. Comment il s'appelle, le loup? Arrête! Il s'appelle Fiu-Fiu, voilà, Fiu-Fiu le loup. Il s'approche de la maison de la grand-mère, il tape la grand-mère. Qui c'est? C'est le loup, il y a un problème. Il rentre, il prend la grand-mère, il lui met un coup de tête, puis il la mange. Et là, comme il avait encore faim, il met les habits de la grand-mère, il se met dans son lit et il attend que le chaperon rouge il arrive. Et là, le chaperon rouge, il entre. Il voit que la grand-mère n'est pas comme d'habitude. Il lui demande... Eh, mère grand, comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Eh, mère grand, comme vous avez une grande queue. C'est pour mieux. C'est mieux. Voilà. Eh, mère grand, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et là, il se jette sur lui.
avec les griffes, il lui ouvre le ventre, il lui prend le foie et il le mange. Et puis après, il lui mange le cœur, la rate, le pancréas, les intestins. Il les suce les intestins. Ah. Sur ce, arrive la sorcière Caroline, 97 ans, qui lui dit « Hé, Loulou, tu me donnes un bout de ton chaperon rouge ?»« Non, dégage, le chaperon rouge, il est à moi !» Et là, elle prend son balai et lui enfonce dans le cou. Elle tourne comme ça et lui éclate toutes les artères. Il y a du sang qui gicle de partout. Et en tombant, il prend son couteau, il enfonce dans le crâne de la sorcière. Et puis, il prend le cerveau et puis le mange. Et tous les deux, il meurt et tombe par terre. Bah, et il y a du sang partout. Bon, c'est fini. Allez, faites de beaux rêves, ma chérie. Science et nature. Que signifie E égale MC2 ? L'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Putain, j'ai rien compris. Oh, je te jure, ça m'a donné envie de vomir. Le carré de la lumière ? C'est quoi, la lampe de chevet? Non, mais attends, c'est n'importe quoi, ce truc, oh. Déjà, c'est pas E égale MC2, c'est E égale M6, tu vois, déjà. Putain, ça lance, là, hein. Je suis désolée, je voulais pas vous toucher, je vous jure que je l'ai pas fait exprès. Pardon. Doucement. T'inquiète. Oh, putain, c'est défiguré, oh. Quoi? Y a un gros trou? J'ai jamais vu un trou aussi gros. Par contre, il a pas l'air trop profond. Tu veux que je mette le doigt pour vérifier? Mais avec qui doigt? Tu veux rien du tout, toi. Bon. T'as compris? Il faut quelque chose pour désinfecter, là. Tu veux pas lui donner mon whisky? Bah, y a que ça. Putain, j'ai l'impression de mettre mon 20 ans d'âge au chiotte. Ouh, putain, ça brûle, là. Oh, elle lui a mis cul sec, en plus. Cul sec. Bon, Max. Il va falloir que j'ouvre un petit peu la plaie, là, pour enlever la balle. Non, vous me touchez pas. Max, elle est infirmière, c'est la seule qui peut enlever cette balle. Tu veux que je le fasse, moi? Sors-moi de là. Putain, je vais avoir une putain de cicatrice. Tu t'en fous, il y a personne qui la verra. Puis avec un peu de chirurgie esthétique, on ne verra plus rien. Attention, j'y vais, hein. T'as qu'en profiter pour te refaire faire le trou du cul blanc. Tu sais quoi, Belève? Ta gueule. Bon, c'est allez. Bon. Oh, putain, oh. Putain, j'ai mal. Ça existe, les puzzles à une pièce. Psst, oui. J'ai besoin que vous tiriez de l'argent pour moi. Je voudrais faire un cadeau à Max pour son anniversaire. Je me sens tellement mal après ce que je lui ai fait. Alors mon code, c'est 3540. 3540. 3540. Ah, c'est pas 3540? Mais si, c'est 3540, 3540. 3540, il y a 4 zéros? Marc, tu t'y connais en électricité. Je m'en branle, je vais démonter, je verrai bien. Ah, mais comment tu veux que ça marche? Tous les fils sont dénudés derrière. Je l'ai pas trouvé, hein, la trousse. Attends, on voit rien là-haut. En général, ça fait ça quand il n'y a plus d'électricité. Ah, mais attends, c'est normal. Le compteur, il est éteint. Non! Oh, putain de merde! Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Il a rebranché le compteur, il avait encore les filons dans les mains! Oh, putain, il est fou, lui, oh! Max, ça va? Comment tu veux qu'il aille? Fais-lui le bouche à bouche. Quoi? Fais-lui le bouche à bouche. Qui? Toi. Moi? Eh oui, toi. Et pourquoi moi? Eh, parce que moi, je sais pas le faire. Eh, mais moi non plus, hein. Oui, mais c'est toi qui as rebranché le compteur. Alors tu te démerdes, tu lui fais le bouche à bouche. Le bouche à bouche. Hé, avec la bouche.
Dépêche-toi. Non, je peux pas sortir avec lui. Qu'est-ce que tu me racontes, Belette? Je te demande pas de sortir avec lui. Je te demande juste de lui faire un bouche à bouche. Qu'est-ce que tu fais? Je lui donne un tic-tac. J'ai pas envie de sentir sa bouche. Allez! J'attends que ça fond. Ah non, je peux pas, Et à mes 60 ans, hein? Tim, il va vraiment falloir faire... Oui, je sais, la prostate, oui. Allez, il faut se faire bouger aussi. Ah, oui. Allez. Yes, they say no. Everybody's talking here.